Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Donc comme vous avez pu comprendre aujourd'hui, petite ouverture, mini ouverture, vous allez comprendre bientôt pourquoi. Mais avant qu'on commence cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est le petit carré rouge qui se trouve en bas, et d'activer les petites cloches pour savoir quand c'est que je mets mes prochaines vidéos. Et puis comme vous avez pu constater, sur la petite bande, dernière vidéo avant mes vacances, parce que j'ai quand même droit aussi à quelques petites vacances, des petites promis. Donc on va pas traîner, puis on va commencer sous cette ouverture. Allez, c'est parti, suivez-moi. Comme je vous disais, petite ouverture parce que nous avons quelques Mister Mini à ouvrir. Nous avons aussi quelques petites gâchapotes que j'ai pu trouver, donc je sais pas du tout ce que ça vaut, donc on verra bien. Et puis comme j'ai pu vous dire précédemment dans ma petite vidéo d'ouverture, c'est la dernière avant mes vacances parce que j'ai quand même droit aussi à quelques vacances, ça fera du bien. Donc voilà. Bon, on va pas traîner, on va commencer. Donc nous avons 3 Mister Mini sur Deadpool. Voilà. Nous en avons une autre sur le Shonen Jump. Donc dedans, à première vue, nous pouvons avoir autant du One Piece que du Naruto. Nous pouvons avoir aussi... Je ne sais pas ce que c'est, les autres. C'est une très bonne question. Ah si, nous pouvons avoir aussi Bleach, Death Note aussi. Donc voilà. Donc on verra bien ce qu'on a dedans. Après, nous avons des petites gâchapons comme ceci. Ou... À première vue, nous avons des petits chats comme ça dedans. Voilà. Et nous avons aussi des toilettes ninja. J'ai trouvé ça rigolo. J'ai dit, pourquoi pas. Donc, voilà. Des toilettes ninja où on peut avoir ces petites choses dedans. Donc, on va voir. On va commencer par quoi? Allez. On va commencer par les petits soda cat. Ça a l'air d'être sympathique. Bon, faut juste que je trouve comment ça s'ouvre, cette cochonnerie. Là, allez. Alors, ouverture facile, mais fesses, Hop. Alors, après, donc voilà, c'est une petite gâchaponne, Nous tournons, je pense qu'il faut, faut tirer. Oh. Alors, oh, que c'est mignon. Alors, hop. Ah ouais, il est chouette. Voici le premier petit... Le petit soda cat, franchement c'est sympa, c'est un petit goodies franchement sympathique, c'est chouette, un petit chat comme ça c'est sympa. Après nous avons un petit fascicule dedans où ils nous disent qu'on peut avoir, on peut en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. Donc celui-là là c'est... voyons voir. Ah, 4 Pachino, ok. Donc à mon avis, c'est celui-là qui doit représenter un peu le Starbucks, à mon avis. Vu l'aspect du truc. Donc c'est sympa. Bon, alors hop. On va refermer la petite baballe. On va le remettre dedans, ça peut être plus sympa. Hop. Hop. Premier effet. On va continuer sur la lancée. On va se prendre la deuxième. Ah, je vais pas trop traîner pour les gâchapons parce que c'est pas le truc qui m'intéresse le plus, mais franchement, ils ont une bonne tête. Alors, la deuxième. Voilà, je suis tout tombé. Bon. Alors, là, c'est le Mew. Ok. Donc, on sait pas trop, mais bon. Alors. Ah, il est sympa aussi. À première vue, ils ont toute la tête, simplement, c'est des éditions différentes de marques. Voilà. Ouais, il est quand même sympa, il n'y a rien à dire. Ils ont une bonne petite tête. Donc, c'est... Moi, je les trouve cool, ils ont une bonne petite tête. Bon, alors, hop, voilà. On va la laisser par là-bas aussi, comme ça, elle n'est pas trop loin. Ah oui, il fait un peu chaud, je suis navré. Mais pour l'instant, il fait chaud... Faut profiter, on sait pas combien de temps ça va continuer. Bon, donc nous avons fait nos petits soda cat. Par contre, on peut en avoir une chier parce que nous avons encore... voici tous ceux qu'on peut avoir. Comme vous pouvez voir, il y en a une panoplie monstrueuse.
Bon, maintenant quelque chose d'un peu plus rigolo, hein. On va se taper les toilettes ninja. Hein. Toilettes ninja. Ah, c'est pas mal. Pour l'ouvrir, la gâche-pas, nous avons un rouleau de toilette qu'il faut tirer. Donc on va voir. Ouais, voilà. Voilà. Ça a merdé. Voilà. Hein. Voilà, ouverture facile, mon cul, ouais. Voilà, j'ai plus de cochonnerie qu'autre chose. Enfin, c'est pas grave, c'est quand même ouvert. C'est ce qui compte. Bon, allez hop, on ouvre. Alors, on va d'abord regarder le petit fascicule. Nous pouvons avoir... On va vous montrer ceci, voilà, comme ça. Nous pouvons avoir... Rico, WC, Tipeee, John, Grunt, Latrine et Lou. Voilà, franchement... En plus, ils ont certaines ont des bonnes têtes. Franchement, ça peut être cool. Donc, le premier que nous avons. Ah non, nous en avons encore des autres. Voilà. Ici, nous avons d'autres. Où là, on peut voir qu'on peut en avoir 1/9. Nous avons les hyper rares, 1/36. Nous avons les standards, 1/12. Et les Chase, 1/18. Alors, 1/18, voilà. Et ben, vous savez quoi, nous avons, nous commençons bien, parce que nous avons déjà un Chase, donc nous avions 1/18 de tomber sur celui-ci. Voilà. Et franchement, il est sympa. Moi, je l'aime bien. Franchement, c'est une bonne tronche. Voilà. Donc ça, c'en était un, à première vue, vu le descriptif, qui est assez compliqué, parce que c'était 1/18. Donc c'est pas du standard. Donc voilà. Bah j'espère que vu que nous avons un petit peu de chance aujourd'hui à l'ouverture de cette petite boîte, de ces petits gâchapons, ce serait bien de tomber sur un hyper rare, franchement. Ou un deuxième chase, ça pourrait être cool. Donc nous allons ouvrir le deuxième. Hop. Attention. Alors là, c'est un bon truc, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Parce qu'il a rien à faire dedans. Ah si. Oh putain. Je vous ai pas montré. Vous voyez là en bas, il y a un truc qu'ils appellent bonus figurine. Hein ? Donc je pense que c'est quand même compliqué à l'avoir cette bonus figurine. Vous voulez que je vous dise quelque chose ? Je crois que je dois avoir un bol comme ça. Voilà. Je viens de tomber sur la figurine bonus. Vous vous rendez compte ? Et en plus, franchement, vous avez vu la tronche ? Elle est excellente. Ah là, c'est vraiment un bol, je sais pas comment vous dire, c'est royal. Nous avons donc sur ces toilettes ninja un chase, et en plus, la deuxième, c'est une figurine, un bonus figurine. Donc je pense qu'elle doit pas être évidente à trouver aussi. Donc franchement, c'est cool. Et ben, je pense que je vais essayer d'en retrouver des comme ça, parce que franchement, c'est super cool. Bon, alors, on va ranger pour l'instant celle-ci. Hop. Et on essaiera d'en retrouver d'autres. Bon, maintenant que nous avons ouvert ces petites gâchapones, ben on va aller passer, on va essayer d'ouvrir ces Mister Mini. Hein, allez, c'est parti. Bon, voilà. Seconde partie, ouverture des Mister Mini. Donc on va pas commencer par les Deadpool, on va commencer par celle de Shonen Jump. Voilà. Alors je sais que j'en ai déjà quelques-unes de One Piece. Bleach, je crois que j'en ai pas, donc franchement ça serait cool, même que ça soit du Naruto aussi, ça pourrait être sympa. Alors, on va pas traîner, hein, on va pas même essayer d'éviter, on va directement ouvrir, tel le sauvage, hein. Hop là.
Bon, alors si je me trompe pas, c'est un des personnages de Death Note. Voilà. Si je me trompe pas. Franchement, elle est sympa. Petit personnage fort sympathique. Voilà. Faudrait que je regarde. Ah. Manque de bol, voilà. Death Note, j'en avais déjà une. Et ben, c'est la même. Bon, bah voilà. Ma foi, ça arrive, c'est les aléas, hein. C'est comme ça, on n'y peut rien. Bon, bah, on va pas traîner, on va pas rester sur un petit point négatif. Hein. Nous en avons trois autres de Deadpool. Et celle-ci, je suis sûr que j'en aurai pas, vu que c'est la première fois que j'en ai. Après, il se peut que j'ai des doublons, hein. Ça, c'est fort possible. Bon, voyons voir. En tout cas, nous pouvons en avoir une chier de différents. Et en plus, ils sont fort sympathiques. Je vais vous montrer un peu ce qu'on peut avoir derrière. Voilà, ça ce sont la collection qu'on peut avoir chez Deadpool. Et franchement, il y en a qui ont l'air d'être super sympas. Donc, ben, on va pas traîner, hop. On va regarder juste lesquels pourraient être compliqués à avoir. Donc, on peut en avoir, on en a une chance sur 72 d'avoir celle qui ressemble à Spider-Man. Ah non, c'est même pas Spider-Man, je sais même pas qui c'est. Donc, on en a... Certaines qui sont assez faciles à voir, celles du haut. Celles-ci, elles sont un petit peu plus compliquées. En bas, c'est encore beaucoup plus compliqué. Donc, mais bon, vu qu'on en a une, en ultra bonus, pourquoi pas. Je me dis, peut-être que j'ai eu du flair, puis j'ai chopé les bonnes box. Hein, on sait jamais. Alors, attention, mystère. Alors. Ben non, c'est la standard, on avait une chance sur 6 de tomber sur celle-là. Mais c'est pas grave, vu que c'est la seule que j'ai, mais elle est sympa. C'est le Deadpool dinosaure, voilà. Voici la petite tête qu'il a. Ouais, elle est sympa, il n'y a rien à dire, hein. Voilà. Avec ses petits sabres, là, voilà. Hop. Ensuite, bon, on va pas traîner, hein, on va tout de suite ouvrir la seconde. Allez. Tam tam. Alors. Cette fois, est-ce que nous avons un petit peu plus de chance? Une un petit peu plus rare, ce serait fort sympathique, hein. Alors. Celle-ci, et ben, ah si, ben non, c'est une standard aussi, on dirait un petit gars qui livre, qui enfin, un petit serveur, voilà, avec une grosse barbe et une petite tasse à café, franchement, elle est sympa, quand même, il n'y a rien à dire, hein, voilà, un petit Deadpool fort sympathique aussi. Voilà. Allez. Il ne veut pas rester debout. Voilà. Pas bouger. Bouge pas. Voilà. Bon, ben, nous passons à cette dernière Mystery Mini Deadpool. Donc, pour l'instant, ben, hein, deux qu'on n'avait pas. Donc, voilà, on risque pas grand-chose, on va dire. Hein. Après, on sait jamais. Hein, sur la totalité, il se peut d'avoir un doublon. On n'est jamais sûr de rien. Hein. Donc, allez, la petite dernière avant mes futures vacances bien méritées. Alors, et celle-ci, c'est... Ah, une un petit peu plus compliquée, on dirait. Ah, celle-ci, nous avions une chance sur 12 de l'avoir. Voilà, c'est le Deadpool Ninja. Ah si, avec évidemment une étoile et une flèche ninja plantée dans la tête, c'est bien le style à Deadpool, hein. Et on peut voir qu'il a une espèce de nunchaku dans la main, voilà. Mais elles sont quand même sympas, hein. Il n'y a rien à dire, c'est des petites figurines fort sympathiques, moi je les aime bien, voilà. Bon bah j'espère que ce petit déballage vous a plu, en tout cas moi ça m'a fait super plaisir de vous montrer cette petite nouvelle collection. Donc, ben, profitez bien de vos vacances si vous en avez. Et puis, ben,
Moi, je me dis bonnes vacances à moi-même, hein, parce que j'en ai quand même besoin aussi. Et puis, on se retrouve, je pense, fin août, par là, ok? Allez, portez-vous bien, et puis, à tout bientôt. Allez, ciao, ciao! Et bonnes vacances!